Coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Soso. Aujourd'hui, un petit unboxing Temu. On va dire Temu. Hein. Je parle français, donc c'est Temu. Donc, j'enlève l'emballage parce que derrière, il y a mon adresse et on regarde tout ça. Donc, voilà. Donc, si vous entendez, c'est normal, c'est les deux chiens. Le cousin vient de prendre ses quartiers d'été, ça remue un peu. Alors, première chose, donc ça, c'est un coupe avocat. Alors, pour la troisième fois, depuis que je commande chez eux, ça fait trois fois qu'ils me font un cadeau. Donc, ils vous disent que vous avez un cadeau et ils vous donnent une liste de plein d'articles et vous choisissez l'article que vous voulez. Il n'y avait rien de spécial qui m'intéressait, donc du coup, j'ai pris le découpe avocat. Alors, comment on va au marché demain? On achètera un avocat et on testera. Ça coupe pas, là. C'est bien parce qu'il y a un protège pour couper. Ça couperait pas une merde en deux. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Donc, voilà. Mais je ne l'ai pas payé. Hein. Et je ne peux pas vous dire le prix parce que du coup, je ne l'ai pas payé. Alors, je ne sais pas quoi. Mais c'est sympa. La dernière fois, j'avais eu des petits bloqueurs pour les boucles d'oreilles. Et la fois d'avant, c'était des petits sachets pour emballer les boucles d'oreilles que j'avais choisis. Voilà, ça y est. Ça commence. Il y a mon mari juste en face de moi. Moi, ça ne me dérange pas de faire des vidéos avec mon lapin. Mais bon, lui, il ne peut pas s'empêcher de papoter. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Comment ça s'appelle? Un étui pour les bouteilles de Noël. Donc, je vais le fabriquer et ça sera dans mon petit marché de Noël. J'en ai déjà un que j'ai fait et là, c'est le deuxième. Voilà, donc ça, je l'ai payé 4,48 €. C'est à diamanter. Donc, c'est des strass. Oh la vache! Alors, ceux-là, ils sont... Alors, ceux-là, ils sont méga petits. Ah ouais, hein. Là, ils sont, c'est des petites gouttes d'eau rouge. Ils sont méga, méga petits. Donc, c'est des strass, le kit de base. Et le petit dessin, c'est un petit bouli. Voilà. Alors, je ne sais pas où ils vont, ceux-là, mais... Les 8. Ça y est, ça commence. Alors, 8. Arrête, hein. Ah oui, donc il en faut que là. C'est en fait, c'est les poils de l'écharpe. Ici. Juste là, c'est les poils de l'écharpe. Voilà. Donc, il va y avoir comment que c'est. Bon, ça va, c'est bien cousu. La qualité, elle est bien. Tu vois. Franchement, je ne suis pas déçue. Alors, ça reste moins cher que les boutiques qu'on a l'habitude de commander au niveau Diamond Painting. Ouais, non, c'est imparfait. Donc là, je le ferai rapidement puisque c'est tout petit. Comme ça, ça ira dans la caisse de préparation de Noël. Parce qu'il y a déjà des trucs à mettre dedans. Donc c'est super. Pour le coup, quand c'est des trucs comme ça, j'utilise les kits qu'ils donnent et puis après, je les mets à la poubelle. Je les garde pas. Ensuite, je me suis pris enfin une barquette digne de ce nom parce que j'ai un peu de mal avec la mienne. Il était temps. Et puis, dedans, il... Oh, c'était pas prévu, ça. J'ai payé ça 1,57 €. Donc, vous avez les pains de colle. C'est rien, c'est les chiens. Ou mon mari. Je pense que c'est mon mari. Vu comment il est, c'est mon mari. C'est des pains de colle violets. J'en avais jamais eu. Puis, j'en ai plus des pains de colle. Donc, ça tombe super bien. La barquette. Je vais regarder. Elle sera peut-être mieux que la mienne, hein, parce que alors, la mienne, Par contre, elle est arrivée un peu abîmée. Elle a mangé, hein, dans le colis. C'est moche. Ouais, c'est moche. Et puis, vous avez un petit stylet. Alors, moi, l'embout là, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, mais il y a des autres embouts là, alors je vais regarder. Mais il est plutôt sympa le stylet. Il est beau. Je ne savais même pas qu'il y avait un stylet dedans. Alors... Il est plutôt sympa. 1,57 € et vous avez la barquette, le pain de colle. Les embouts, il y en a beaucoup.
La raclette, bah, moi j'en ai une en ferraille, elle est tip top. Je la changerai pas pour l'or du monde. Mais vous avez tous les emboulas. La raclette, les trois. Ça doit être un 4 ou 5. Et ça doit être un 9 ou un 10. Je sais pas. Et moi, je me sers que de la raclette, mais je l'ai acheté en ferraille. C'est topissime. Et je me sers que des emboulas. Et quand dès qu'ils sont abîmés, mon mari il me les retire et il me les remet dessus. Donc en fait, même les stylets qu'il nous donne, je les garde pas, mais je garde les embouts. Parce qu'en fait, ça suit super vite, ça, en fait. Bon, ben ça, je remballe pas, parce que ça ira directement dans mon truc. Si, sur le côté, elle a mangé un peu. Ensuite, alors ça, c'est pareil. C'est un moule en silicone. C'est pour faire mes décos de Noël. Maintenant, il va falloir que je trouve un truc, mais ça, je suis sûre que mon mari va bien me trouver ça. C'est bizarre. Je fais du bruit, hein. Je sais pas. Alors, devinez un moule à quoi? Oh, ça sent rien. Par contre, la matière, c'est tout bizarre. Hein. C'est un moule à macarons. Et donc, ce qui va me servir à quoi? À faire des macarons de Noël pour mettre dans le sapin. J'ai vu ça, c'est trop chouette. Sauf que vous allez me dire, bah, avec quoi tu vas faire ça? Bah, il faut du plâtre. Je n'en ai pas. Oui, mais ça s'achète où? Oh, je sais pas. Oh, le menteur. Donc, bah, il faut que je trouve du plâtre. Et après, une fois que vous avez du plâtre, vous avez juste à bomber ou à Ça mettre en peinture. s'achète pas le plantes, ça se vole. N'importe quoi. Mais toi, tu racontes que des conneries. Ouais. Mais t'arrêtes de. En fait, il a le don de me flinguer mes vidéos. C'est un truc de dingue. Donc voilà, donc ça c'était au prix de 5,84 € et c'est tout bizarre. Hein. J'ai trouvé ça excellent. Donc on verra. Alors là, à l'intérieur, vous avez les petits. Vous savez, quand la patouille elle dépasse du macaron, la crème. Donc ça, il y a moyen que je trouve du plâtre, je ne sais pas où, mais il y a moyen que je trouve du plâtre. Je ne peux pas prendre de béton parce que ça n'irait pas, mais du plâtre, je peux en prendre. Du béton, ça ne va pas aller. Hein. Il rigole. Non, mais parce qu'on en a du béton, c'est pour ça. Non, je prendrai du plâtre, ça sera blanc, c'est mieux. Voilà, donc j'avais trouvé ça. Ensuite, ça vous connaissez, c'est les petits calepins, et c'est des calepins de Noël, et ça c'est pareil, je vais les faire et je vais les vendre à mon village de Noël. Et alors le truc, c'est que par rapport aux boutiques qu'on connaît, eh ben, le prix, c'est pas du tout le même. Il y en a pour 5,61 €. Et ouais, c'est beaucoup moins cher chez Temu. Et ils ont plein de modèles différents. Donc, j'en avais pris que deux parce que je voulais tester, voir si c'était les mêmes que ceux qu'on connaît. Et bah ouais, donc du coup, par contre, le kit de base, il n'y en a pas. Hein. Ils ne me l'ont pas mis. Hein. Ils ne me l'ont pas mis. Non, c'est pour ça que tu ne payes que 5 euros. Hein. Bah si, parce que regarde, dans l'autre, il y est. Tu vois, mauvaise langue. Donc je pense que ça a un oubli. Après, c'est pas très grave. Ça colle Pour faire un super stock bien. complet, on va pas faire une collection, moi. Ça colle super bien. Par contre, là, oh bah ça s'en remet. C'est impeccable. Donc, c'en est un qui est pas, qui a pas de ligne. C'est un gnome de Noël et les strass. Ah bah alors, la blague du jour, c'est que je n'ai pas de kit de base. Hein, je n'ai pas le truc pour le stylet, tout ça. Mais Ah, t'as le double. j'ai le double de diamant. C'est pas mal ça. Ouais, c'est sûr que j'en aurais assez. Hein. C'est au cas où. Voilà. Hein, puis je peux pas dire que c'est pas les mêmes. C'est exactement les mêmes numéros. Hein, donc voilà. Et on retourne. Ah, bah, c'est les mêmes aussi. Voilà. Donc je pense qu'ils se sont plantés. Ils ont mis deux fois des diamants et ils n'ont pas mis de kit de base. Bon, bah, c'est pas très grave en même temps. Au moins, on est sûr que les diamants, bah, il m'en restera. Bah, c'est parfait. Ouais, donc voilà, ça sera un que je vais faire comme ça. Alors, en plus, hein, vous voyez, c'est les mêmes pochettes. Hein. C'est tout pareil. C'est tout pareil, tout pareil. C'est dommage qu'on ne peut pas voir d'où ça, de quelle boutique ça vient en fait. Et le deuxième, qui est au même prix, 5,61 €. Alors, celui-là, je l'aime bien par contre. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime tout bien.
Donc là-bas, vous avez... Et puis alors, vous avez la pince qui a le mérite d'être là. Hein, mais c'est... Voilà. Elle a le mérite d'être là. Et donc, vous avez aussi des strass. Et il y a même des petites étoiles sur celui-ci. Et celui-ci, je le trouve, mais trop beau. Il est trop beau, celui-là. Et donc, c'est pareil. C'en est un qui n'a pas de ligne. Bon, là, c'est normal qu'on voit le marquage de la barquette, mais ça s'en ira. Parce que c'est du simili-cuir, donc ça part. Donc, ceux-là, je vais les faire. Et puis, je vais les en coller. Et après, ça partira au village de Noël. Voilà, voilà. Donc, la petite vidéo sur Timu est finie. Donc, au final, c'est moins cher sur certains articles quand même qu'on a l'habitude de fréquenter dans les boutiques de Diamond Painting. Donc, voilà ce que j'ai pris. Voilà, voilà. Et mon petit cadeau super pratique. Attention, on essaiera, on verra ça demain. Hein? Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.